Liliana, elle doit être dans le vestibule. On va d'abord continuer. Sans blague. On a annoncé l'inquisiteur. Tu crois vraiment qu'elle est pas là? Oh, je suis navré. Ah bon, d'accord. Tout le monde est d'accord avec mon point de vue, je le savais. Kellen, comment ça va? Je suis bien d'accord. Des conseils à me donner? Les soirées mondaines orlésiennes ne sont pas exactement mon domaine d'expertise. Faites simplement attention à qui vous faites confiance. À votre avis, quel camp doit soutenir l'Inquisition? La prétention de Gaspard au trône est légitime. Orlaïs a besoin de quelqu'un qui puisse apporter une réponse à la crise actuelle. Un chef à l'esprit martial semble être le meilleur choix. Ouais, il résonne comme un combattant, hein. Vous en avez du succès. D'où viennent tous ces gens? Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'en déduis que vous ne vous amusez pas. Au point où j'en suis, le mal de crâne qui me menace est préférable à la compagnie. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Pas pour l'instant. Mais je doute qu'il y ait qui que ce soit ici qui n'ait pas d'intention cachée. Nous parlerons plus tard. J'attends votre signal. Bon. Transmettez les secrets scandaleux à Liliana. Que faisait-il à la porte du Ponant? C'est un désert. Eh ben, vous le saurez jamais. Nananer. Là, il n'y a rien. Bonjour. Excusez-moi, je fouille. Hein. A priori, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Bon. Dans ce cas, retournons dans le vestibule. C'est lui? C'est le seul survivant du Saint-Temple cinéraire, oui. En tout cas, les jardins d'Alam Chiral sont magnifiques. J'ai même... Bon, vous parlez trop là. Allez, avançons. Camion. Allons dans le vestibule. Bien. J'espérais vous voir. Que vous a dit le duc? Il montre du doigt l'ambassadrice Briala. L'ambassadrice manigance quelque chose, mais on ne peut rien contre elle. C'est plus facile de frapper Sélène lorsqu'on se trouve à ses côtés. L'impératrice Sélène est fascinée par la mystique. Prédire l'avenir, parler aux morts, ce genre de bêtises. Elle a une conseillère de l'occulte. Cette apostate l'a séduite. Ainsi que des membres importants de la cour. Mais qui ça peut bien être? Elle est sans merci et capable de tout. Comment Sélène peut-elle garder ouvertement une apostate à la cour impériale? Il y a toujours eu un poste officiel de mage à la cour impériale. Jusqu'à maintenant, il valait à peine mieux que celui de fou du roi. Vivienne a été la première à transformer ce poste en source de véritable pouvoir politique. Quand les cercles se sont rebellés, techniquement, tous les mages sont devenus des apostats. Le monde a perdu une grande partie de sa force. Vous pensez qu'elle contrôle les esprits de la cour? C'est de la magie du sang puissante. Ça vaut le coup d'enquêter sur elle. On ne peut être sûr de rien. Les deux pistes indiquent l'aile des invités. C'est un excellent point de départ. Je vais parler avec nos espions pour voir si je peux trouver quelque chose de mieux. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la salle de bal. Fort bien. Mais ce n'est pas la sorcière, la coupable. Bon. Alors, allons chercher l'approbation de la cour. Bonjour. Aile des invités. Salle des trophées. C'est verrouillé, ok. Les empereurs. Ah bah, il avait une sale tête, l'empereur, dites donc. Oh, pif pouf, dédicace. qu'est-ce que c'est ça? L'art du palais d'hiver, ouais. Bonjour. Circulez, il n'y a rien à boire. Non mais oh, tu me parles mieux, espèce d'elfe. Où est-ce que je peux les espionner, ces elfes? Allez vous positionner là.
Le paquet est dans l'aile des invités, à l'étage. La pièce qui donne sur le jardin, après la statuette. Merci. Alors, quartier des serviteurs, grand appartement. On va pas y aller tout de suite. Bonjour, bonjour. Je suis toujours partant pour un facepalm. Blackwood, tiens. Je me tiens prêt. Vous n'avez qu'à demander. Que pensez-vous de toutes ces machinations et de ces coups politiques? Je pense que j'aimerais bien être ailleurs. On sauve l'impératrice et on rentre là où les choses ont un sens. Je suis bien d'accord. On peut dire ce qu'on veut sur l'ascension de Selene. Elle a usurpé le trône. Elle a usé de ses charmes pour l'obtenir. Qui s'en soucie? Depuis, elle a montré sa force, sa grâce et son intelligence. Tout ce dont a besoin Orlaïs. Gaspard, s'il sortait vainqueur, autant couronner un taureau. Les ailes de bravoure d'Argentite? Pourquoi au juste? Pour ma bravoure. Vous pouvez préciser? Ça remonte. C'était l'époque où on ne prenait pas le temps de se vanter de ses victoires passées, quand un assassin était en liberté. Alors, vous avez vu quelque chose? 9 dames et 6 hommes ont invité Kellen à danser. Je crois même qu'il a reçu 2 demandes en mariage. Il aurait peut-être besoin d'un garde du corps. Pendant qu'on y est, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que je devrais interroger? Je ne connais pas bien la noblesse orlésienne. Ils accueillent rarement à bras ouverts les gardes qui ont le droit de conscription. Attendez mon signal. Fort bien. Ah. Il doit y avoir quelque chose ici. Ça. Ah, un caprice. Fort bien. Alors, là, c'est verrouillé dans la salle des trophées. Là en bas, je peux y aller, mais avant, on va d'abord aller là. Solas, tiens donc. Ce que j'aime, ce mélange grisant de pouvoir, d'intrigue, de danger, de désir qui rythme ces événements. Vous avez l'air bien plus à l'aise à un grand bal orlésien que je ne l'aurais pensé. J'ai vu pléthore de réceptions similaires au cours de mes voyages dans l'immatériel. Les puissants sont toujours les mêmes. Seul leur accoutrement change. Vous avez vu quelque chose d'utile? Non. Hélas, je ne ressemble pas vraiment à ces serviteurs où je suis parfaitement invisible aux yeux de tous. Salut Théo, bienvenue. Les gens peuvent vivre leur vie sans jamais voir les serviteurs et leur société parallèle. Si vous voulez apprendre quelque chose, c'est à eux que vous devriez faire attention. Les nobles ne vous causent pas d'ennui, j'espère. Les Orlésiens ne savent pas vraiment que penser de moi. Et je reste à l'écart. Je ne voudrais pas leur tendre le bâton pour me faire battre. Les victoires sont succulentes, cela dit. Et les serviteurs se font un plaisir de me resservir. Je reviens. Alors, mange bien. Mange bien, mange bien. Aucun rapport fiable sur Dars pour le moment. Nos agents ont besoin de plus de temps. Nani ? Notre contact chez les Dalassiens s'en est sorti de justesse. A-t-il dit ce qu'il cherchait ? Quelque chose au sujet d'une source. Il n'était pas très cohérent après l'attaque. Bon. Bonjour, bonjour. Gaspard perd son temps. Il n'arrivera jamais à convaincre le conseil des messagers. Il aurait dû y penser avant de les menacer de réduire leur maison en... Bon, je crois que j'ai interrompu quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Anthologie du théâtre orlésien, on s'en fout. Messieurs, bonjour. Oh, Duc Germain. Tiens donc, l'inquisiteur. Moi-même. Présence parmi nous à mon neveu lui-même, comme c'est étrange. Je t'emmerde. J'ignorais que le grand-duc était votre neveu. C'est le fils aîné de mon frère. Gaspard a toujours été un enfant difficile. Allez, il faut mourir maintenant. Ah non, c'est pas ça. Il a été élevé comme un prince. Toute sa vie, on lui a rabâché qu'il deviendrait empereur. C'était son destin, son devoir. Que devrait-il faire de sa vie? Hormis se battre pour accomplir son destin. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ce soir? Florian, ma nièce, ne m'a pas adressé la parole de toute la soirée. Cela ne lui ressemble pas. Que pouvez-vous me dire sur la guerre? J'aime bien la façon de parler, c'est pas du tout grillé quoi. C'est hyper discret de discuter comme ça. C'est une guerre, violente, terrible, mais parfois nécessaire. Il n'y a rien à ajouter. Une autre fois, monseigneur. Bon, bah, fort bien. Ok.
Ok. Ensuite, voyons voir. Ah! Oh, sérieux? Vous n'avez pas honte? Bon, bon, bon. Oh, il ne me revient pas, ce grand-duc. Personne ne devrait avoir autant de chercheurs. Les gens croient vraiment que la guerre va se terminer. Là, on ira après. Bonjour. Hop, là. Philippe devrait être revenu depuis des heures. Il fait du charme à une domestique pendant que moi, je m'occupe de Gaspard. Philippe, il sert à rien d'abord. Oh, j'ai envie de répondre ça. C'est bien égoïste de sa part de partir s'amuser et de vous laisser tout le travail. Je suis à deux doigts d'en informer la douairière. Ça lui apprendrait à tirer au flanc pour aller faire la cour à une pauvre elfe. Comme par hasard, je rêve ou il y a du sang par terre. Pour informer le conseil qu'on les menace de mort, que je me retrouve tout seul. Merci Philippe. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes trop bon. Oh mais je vous en prie, monseigneur. Je vous en prie. Vous feriez mieux de filer, étranger. Ouais, enfin, excusez-moi, mais c'est du vin ou du sang? Ça fait des heures qu'on est sans nouvelles. Il est allé dans l'aile des serviteurs. Personne n'en est sorti de la soirée. Je vais dire à Briala qu'on a un souci. Trouver le saut cylindre caché dans l'aile des invités. Fort bien. Avant de faire quoi que ce soit, on peut aller là? Oh, bonjour. Oh non, les moires, que faites-vous ici? C'est très important. L'impératrice nous a donné un message pour vous. Comment puis-je être certain que ce message provient de l'impératrice? Nous portons toutes les trois les masques de la maison Valmont. Cela signifie que nous sommes le visage de l'impératrice. Ils sont extrêmement en vogue. Très bien. Quel est le message? Oh, c'est excitant. L'impératrice Selene est impatiente d'aider le messager d'Andraste dans sa mission sacrée. Elle accordera tout son soutien à l'Inquisition dès que Gaspard l'usurpateur sera vaincu. C'est une offre très généreuse. L'impératrice croit de tout son cœur que l'Inquisition est notre meilleur espoir de paix en ces temps troublés. Elle a hâte de former une alliance officielle avec vous, dès qu'elle sera débarrassée de Gaspard. Nous vous avons déjà longuement accaparé. Surtout, profitez bien du bal masqué, Inquisiteur. Ben, j'aimerais bien, mais... Apparemment, il faut que j'écoute... que j'écoute les ragots de tout le monde, alors. Bon, jette un sou au sorceleur. Doudadidadida. Bonjour. Cette conversation est privée. Oh, je vous en prie, excusez-moi. Excusez-moi, je vais aller l'écouter ailleurs. Intéressant. Vous devez faire erreur. Non, je suis tout à fait certain que c'était du sang.
S'ils jouent au jeu, ils ne savent pas s'y prendre. On ne laisse pas traîner des pièces à conviction si on joue pour gagner. Avec Gaspard et cet elfe, la seule qui joue pour gagner, c'est Selene. C'est pas faux. Alors, qu'avons-nous là ? Une épée, on prend. Serra approuve. Y'a rien d'autre, quelque chose à dire ? Vous dites ça parce que l'apostat de l'impératrice vous a tapé dans l'œil. Ça me rend malade de penser au chaos que ces maléficiens sèment à travers Orlais. Vous ne pouvez pas nier que les Templiers ont abandonné les fidèles quand ils en avaient le plus besoin. Cela ne vous dérange pas ? Ce sont eux qui devraient être rappelés à l'ordre, à mon avis. Mmh. Fort bien. Alors là, il faut des statuettes. Oh, je suis comme un con, je me suis mis la chanson de Jaskier dans la tête. Pour ceux qui regardent la série The Witcher. Jette un sou au sorceleur. Da-di-da-di-da. Oh, quel couillon je suis. Je me suis mis ça dans la tête, quoi. Qu'est-ce que... Oui, il y a encore du sang, là. Avez-vous des nouvelles de votre neveu ? C'est quoi, le... Ah là, d'accord. Jette un sou au sorceleur. Voilà qui devrait être utile. Si tu le dis. Donc c'est pas là. Jette un sou au sorceleur. Au fait, messieurs, j'ai entendu ce que vous avez dit. Il faut mater les Templiers. Ouais. J'ai bien entendu. Si vous voulez remettre les Templiers à leur place, vous avez peut-être trouvé un allié. Dans ce cas, je serais ravi de conclure une alliance avec l'Inquisition. Je vais contacter votre dame Rossignol. J'ai des atouts qui pourraient servir votre cause. Parfait. Un agent recruté. Super. Ah, monter, non, je veux pas monter. Surtout que c'est pas très discret de monter par là, enfin, excusez-moi, mais... Moi, je dis ça. Bon, ben voilà, j'en ai lancé deux pour l'instant. Oui, il me dit qu'il y a un... Ah, là-haut, d'accord, ok. Oula, 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 oula. Stop, arrête de bouger. La manette a bugué. Tout, 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 tout. Attendez, la manette a bugué. On va la laisser se reposer 2 minutes. C'est pas du sang, oui, oui. C'est une grosse tache de vin, c'est cela. Voilà. Alors, je vais pas monter par là tout de suite. Y a quelqu'un qui doit parler. Ah oui, non, c'était Solas. Alors. Il paraît que l'Inquisition est là. Bonjour, bonjour. C'est moi. Nathan, le papillon. Germain attise l'agressivité de son neveu comme personne d'autre. Vous avez vu l'attaché affolé qui courait partout. Garde impériale, bonjour. Cet accès est fermé. Merci d'utiliser l'entrée principale de la salle de bal. Pas de problème. Bonjour. Ah ! Je ne te parle plus. Le saut-cylindre. Le fameux. Tiens, tiens. Qu'est-ce donc ? Alors, Cara, personnel de cuisine, accès à l'aide des serviteurs, blablabla, ouais, bon bah. Bonjour. Bonsoir, inquisiteur. Bonsoir. Ok. Ok. Alors, il y a deux possibilités. Soit je descends dans l'aile des serviteurs, soit j'utilise la grille pour monter. Le bal vous plaît, inquisiteur ? C'est la première fois que vous venez à la cour, n'est-ce pas ? Je suis Dame Marcellette, historienne à la cour de Sa Majesté impériale. Quel est votre rôle ? Je vais pas lui demander quel est son rôle, vu qu'elle vient de dire qu'elle est historienne quand même. Bon, ben, amuse-toi bien. Hein. Bonne soirée, Dame Marcellette. Une autre fois, peut-être ? Ouais, ouais, une autre fois.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Oula. Est-ce que... C'est quoi ça? Vers le niveau supérieur. Donc là, il faut que j'y aille. Ou alors, je vais passer... Non, je vais d'abord aller dans la zone des serviteurs. Vu que la quête me dit de monter. Pam, pam, pararara. Ah bah voilà. Les quartiers des serviteurs requis. Ok, parfait. Fouiller les pièces à l'étage de l'aile des invités. Alors allons-y. On va monter. Moi je dis la griffe, sauf si ça fait perdre de l'approbation. Bah de toute façon, je suis bien obligé, mais enfin quand même, c'est un peu flag quoi. Bon, écoutez bien la barde, hein. Ne regardez pas derrière. Ne regardez pas, voilà, regardez tous là-bas. Parfait. Jette un sou au sorceleur, là, 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 là. Alors, explorer les zones interdites du palais peut être payant, mais veillez à ne pas trop partir trop longtemps. Ok, alors on va faire vite, 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 vite. Fouillons la zone, fouillons la zone. Bonjour, c'est fermé. Il n'y a rien. Et les traces de sang vont par là en plus. Là, il n'y a rien. Là où il y a des traces, ça va par là, dans la grande bibliothèque. Là, il y avait quelque chose. Ah, bah, une statuette, parfait. Aha! Une correspondance. Donc, voilà. Alors, les négociations. Enquête d'Alam Shira, lundi. Sélène, nous pouvons parler entre adultes. Nous savons tous les deux que l'arme à disposition de Briala pourrait renverser non seulement la cour de cette guerre, mais celui de toutes les autres. Blablabla. Gaspard. Bon, Gaspard veut. Il veut déjà s'allier contre les elfes, visiblement. Ok. Ensuite, dans la grande bibliothèque. Vite, je perds. Attendez. Vous savez ce qu'on va faire? Oh, puis non, tant pis. J'allais dire on va descendre, faire coucou c'est moi, mais c'est pas grave. Hein, quoi? Hein? Nien, oui. Qu'y a-t-il? Oh! Un passage secret! Tiens donc, Florian. Ok. À part ça, y a rien. Vieille plaque. Attendez, on va d'abord aller voir le passage secret. Tant pis si je perds de l'approbation, hein. Une lettre. Alors, enquête d'Am Chiral. Dame M. J'aurais besoin de vous à mes côtés ce soir. L'atmosphère pesante sur l'aile royale m'a convaincu que l'on était en sécurité nulle part dans le palais. Ah oui, M. Oui, ok, c'est bon. Je sais qui c'est. Je vous dis pas qui c'est, mais vous allez le découvrir très bientôt. Je ne pense pas que mon cousin emploiera la magie, mais cela ne me surprendrait pas qu'il prépare un nouveau coup bas. Comme mon enchanteresse de la cour n'est pas là pour m'aider, je me remets entièrement à vous. Je ne peux me fier à personne d'autre. Sélène. Ok. Oui, je vais y retourner, mais attendez, il est où le... Bon, d'accord, je vais redescendre faire coucou. Allez. Je suis là, regardez. Hey! Voilà, c'est bon? Vous m'avez vu. Allez, au revoir. Alors, il y a une rue, enfin, un glyphe quelque part. Donc on se dépêche, on va le prendre. Il doit être dans la bibliothèque, j'imagine. Deuxième sommeil. Je suis juste assez en retard. Ouais, bah oh, c'est bon, ils vont attendre 2 minutes, hein. Alors, les secrets scandaleux. Et si je suis trop en retard, là, ils vont pas aimer ça. Je sais. Mais à un moment donné, il faut bien fouiller quand même. Hop. L'étude. Ouais. Oula. Bonjour. Ok.
Alors là, il n'y a rien. Bah attendez, j'ai forcément loupé. Ah ouais, mais je suis pas un voleur. Je peux pas la crocheter la porte là par contre. Approbation de la cour. Oula, elle a diminué. Bah tant pis, ouais, écoutez. Je vais vraiment me faire remarquer. Tant pis, c'est pas grave. Il faut allumer les statues d'empereurs dans l'ordre. Ah, d'accord. Ouais, bon alors là, Étienne 2. Ouais, bah, j'en sais rien. Alors les statues d'empereurs. Si vous avez une idée de l'ordre, je veux bien. Parce que moi, l'ordre, je ne l'ai pas. Étude, ça je peux pas l'ouvrir, on est bien d'accord. Ouais, je peux pas l'ouvrir. Ok. Si vous connaissez l'ordre, je veux bien. Je dois rentrer avant que mon absence ne se fasse sentir. Ben elle est là, regardez, je suis là. Pas de panique, je suis là. Non mais franchement. Voilà qui devrait être utile. Il ne fallait pas s'inquiéter pour moi, voyons. Bon bah. Moi je veux bien fouiller les quartiers des serviteurs, mais je n'ai pas la clé. Laissez-nous. Oui, madame. Donc il faut que je trouve la clé. C'est pour gagner du loot basique. Bon ben on s'en fout alors. Du coup. Personne ne devrait avoir autant de chiens de chasse. C'est la dernière plaque que je nettoie. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai loupé un truc en haut. Parce que là je suis rentré. Là j'ai été. Là il y a un truc à gauche apparemment, j'ai peut-être pas vu ça, je sais pas si j'ai vu. Bah écoutez, on va remonter voir. Retourne dans la salle du bal et surprise. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Là-dedans, j'ai été voir, je sais plus. Oui, j'ai été voir. Ok, bon ben je retourne dans la salle du bal alors. Je vois ce que tu veux dire. Bon, j'ai perdu un peu d'approbation, mais c'est pas très grave. Eh bien, avons-nous là. Tintintin. Bon, ça parlera pas à ceux qui n'ont pas joué à Dragon Age Origins, hein. Messager légendaire de la foi. Libéré de l'emprise de l'immatériel par la main d'Andraste en personne. Mais que fait une telle éminence à la cour impériale, je me le demande. Le savez-vous vous-même? Pouvez-vous me le dire, Dame Morrigan? Je suis ici pour une affaire cruciale qui concerne l'Empire tout entier. Comme moi, semble-t-il. Je suis Morrigan. On m'appelle conseillère des affaires mystiques de l'impératrice Sélène. Vous semblez être très occupé ce soir à inspecter le moindre recoin sombre du palais. Nous poursuivons peut-être la même proie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Morrigan, c'était l'un des persos jouables et avec qui on pouvait avoir une romance dans Dragon Age Origins. C'est pour ça que Léliana l'aime pas trop. Enfin voilà, c'était. C'est une mage assez particulière, on va dire. Je ne sais pas. À vous de me dire. Vous jouez les timides? Non, je joue la prudence. C'est habile, surtout ici. Dans ce cas, laissez-moi commencer. J'ai récemment trouvé et éliminé un intrus ici même, dans ce hall. C'est un agent Tevinted. Prenez ceci, Inquisiteur. C'est une clé trouvée sur le corps du Tevinted. Je ne sais pas où elle mène, mais si Sélène est en danger, je dois rester auprès d'elle. Allez mener l'enquête. Suivez-moi. Non, ça ira. Très bien. Les
hommes de Briala parlent de disparition dans le quartier des serviteurs. Cette clé y mène peut-être. C'est vrai que l'ambassadrice a des yeux et des oreilles partout. Faites attention. Les ennemis sont nombreux, et ils ne sont pas tous du même ordre que les Tevintid. Ce qui nous attend s'annonce passionnant. Bien. Alors, allons dans le quartier des serviteurs. Jette un sou au sorceleur. Bah, je peux le faire plus tard, les secrets à Leliana, non, Alain? Je suis obligé de le faire maintenant? Je comptais le faire plus tard, en fait, mais bon, si tu me dis de le faire maintenant, on peut le faire maintenant. Hein. Leliana, elle est où d'ailleurs? Leliana, elle est retournée dans la salle, j'imagine. Sarah, Joséphine, Kellen, Leliana. Hop.